Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Ici, on présente encore une fois un nouveau produit d'un fabricant régulier. On présente trop souvent. Oui, ben parce qu'il sort beaucoup de choses et que c'est des gens bien. C'est des gens bien, franchement, des gens bien. Des gens bien, oui. On parle donc du coup de Diamond Select. Non, des gens bien. Diamond Select. Encore une fois, dans les bustes à demi, qui sont du coup ici pour Batman Animated Series. Tadam! Il faut savoir que du coup, lors de Wonderfest de 2020, ils ont présenté 3 bustes au total. Batman, qu'on vous présente aujourd'hui. Un Joker qui arrivera un peu plus tard dans l'année, logiquement avant fin d'année, donc ça devrait bien. Et une Harley Quinn. J'espère qu'ils vont pas s'arrêter là. J'espère un Superman et Wonder Woman pour faire la trinité, comme d'habitude. Un Mr. Freeze, ce serait cool. Un gueule d'argile. Un Killer Croc. Un pingouin. Et tout ce qui s'en va. Et qu'on va vous présenter de suite. On se retrouve du coup ici en détail. Vous pouvez déjà remarquer que ce buste est juste sublime. Imposant, taille 1,5, version animated. C'est un des premiers qui font animated, je pense, de mémoire. Oui. Oui, c'est un peu. En tout cas, en 1,5. Hein. Diamond a déjà fait auparavant d'autres choses, etc. Oui, oui, mais... en plus petit, en 1,6. Mais ouais. Ici, on est vraiment en 1,5. C'est super bien. Alors, il est classe. Déjà, l'envergure. Notez, après, c'est dommage que la cam ne fait pas comme Mandalorian revenir à l'avant. Mais bon. C'est pas grave, c'était du copier-coller, on aurait été critiqué pour ça. Ici, ils ont recoupé la cape de façon très, très propre, avec ce dégradé de couleur avec du relief. Notez que c'est du relief tout ceci, vraiment pour marquer l'animated, c'est ça que j'aime bien. Et ce côté ombré, enfin ombrage, l'ombrage qui donne vraiment ce côté animation, ouais. Et BD en même temps. Alors ici, pareil, au niveau de la peinture, le visage, très très bien fait, on reprend vraiment la mâchoire carrée de Batman Bruce Wayne, donc en... Voilà, animated. Les yeux en relief, magnifique. Là, il n'y a pas d'interprétation. Là. Voilà, ouais, là, c'est du animated à 100%. Il n'y a aucune bavure, à part l'interprétation au niveau de la peinture. Du niveau, oui, voilà. Mais c'est un effet comics et qui donne super bien. On retrouve du coup ici le logo jaune, super bien fait. Il n'y a pas un seul, comme tu as dit, débordage au niveau de la peinture. Ouais. Le socle, on retrouve la Batcave. Alors là, franchement, les socles chez ça, c'est Diamond, insane. C'est franchement... insane. Regardez-le de ce point de vue, vous avez vraiment donc d'abord la roche de la Batcave et ensuite le Bat-ordinateur, ou en tout cas des morceaux de machines qui font penser à la Batcave d'Animated. Eux, s'ils se lancent dans de bustes 1-1, il y a moyen d'avoir des bustes vraiment de fou malade, voilà. Malheureusement, ici, dû à l'envergure de la cape, on le voit moins bien, mais vous pouvez vraiment voir que c'est très très bien terminé. En dessous, du coup, numérotation exemplaire à 1000 exemplaires, avec chaque fois note à la main, comme d'habitude, un buste très très beau de chez Diamond Select. Vous allez voir du coup le produit en détail, super buste, magnifique. Budget encore une fois comme d'habitude chez Diamond entre 150 et 189 €, ça dépend encore une fois des revendeurs. On rappelle sur la boîte, numérotation à 1000 exemplaires, c'est important. Très belle boîte à chaque fois qu'il va bien dans toute la collection. Un buste sublime, moi je lui donne facilement un 10 sur 10, il est exceptionnel. Je lui mets un 10 sur 10 aussi également parce que sublime. Puis j'aurais voulu que Sideshow le présente, n'ont pas fait, c'est très malheureux. En plus ils ont l'air d'avoir abandonné la gamme animated, c'est très dommage. Heureusement que Diamond débarque et fait BOUM dans ta gueule Sideshow. Et c'est bien fait parce que dans le sens où Diamond est en train de vraiment se renouveler à tout niveau dans et présenter licences, des choses. Original. Et j'ai envie de dire merci, c'est encore du Batman, on va pas se mentir. Mais là du Batman de notre différent, enfance est différent. Et différent. Un buste à demi qui peut aller facilement dans la collection et ou dans le salon. Moi, je vois sans que madame le rencontre. Ouais, une bibliothèque, je vois ça rend pire une bibliothèque. Être. Bien cool. Donc voilà. Tu dis de plus qu'il est magnifique, dispo sur le site du magasin touchpad.be. Il nous reste très peu de quantité. Un seul. Et puis c'est fini parce que toutes nos quantités avaient déjà été précommandées par les clients. Et on a eu un gros week-end aussi. Et on a eu un très gros week-end. Exactement. Voilà. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, partagez votre travail, surtout abonnez-vous à notre super chaîne. Vous avez vu qu'on est vraiment super dynamique et qu'on aborde plein de nouvelles choses. De nouvelles choses vont encore arriver. Dynamique, nouvelles choses. Non, il y a des nouvelles choses qui arrivent, ça c'est un truc de malade. Un truc de fou, ça va être la patte faite. Ça arrive très très bientôt et vous allez voir, ça vaut vraiment ça le coup. Ça vaut la peine. Sur Voltis depuis un moment. Donc abonnez-vous dès maintenant, partagez et dites aux autres gens, je vous connaissais, de vous abonner. C'est hyper important parce que plus d'abonnés. En fait, j'aimerais dire qu'au moment donné où on arrive aux 2000, on lâche une info dedans. Ok, ça va. Arrive au 2000, on vous donne un truc, un spoil de malade. Fou malade, promis. Et avec notre chance, elle sort quand le projet. Ouais, donc ce sera mort. Ouais, exactement, hein. Ouais. Ce serait con. Elle sort demain, celle-là. Elle sort ces paroles, on vous dit à très bientôt. Et on s'en fout de la boîte. Voilà, le mec s'en fout de la boîte. Va te faire foutre, putain.